Bonjour. Les méditations bienveillantes, aussi appelées méditations métta, consistent à diriger de la chaleur et de la positivité vers soi et les autres. On peut trouver cela inhabituel et même se sentir mal à l'aise au début, mais ça peut vraiment changer notre perspective sur la vie. Ce genre de méditation développe un état d'esprit plus compatissant et plus empathique, et il a été prouvé que cela augmentait le bonheur, réduisait le stress et améliorait le bien-être général. Exprimer de la bonté envers soi-même ouvre la porte vers un mode de vie plus tolérant et plus généreux. Essayons cela dans la séance d'aujourd'hui, en commençant par nous concentrer sur des expressions d'autocompassion, puis en élargissant à de la compassion pour les autres. Trouvez une position confortable, fermez les yeux et respirez lentement et profondément. Laissez vos muscles se détendre et les tensions quitter votre corps. Essayez de maintenir une conscience claire et ouverte de toutes les sensations et des sentiments qui surgissent. Maintenant, pensons à des expressions de compassion, en dirigeant des sentiments de positivité et de gentillesse envers nous-mêmes. Répétez ces expressions dans votre tête et rappelez-vous d'observer sans juger pendant que vous méditez dessus. Puissais-je avoir une belle vie emplie de bonheur? Puissais-je me défaire de l'envie et du ressentiment? Puissais-je trouver de la joie et l'apprécier à sa juste valeur? Continuez de penser à ces expressions quelques instants, tout en maintenant une conscience ouverte des sentiments et des émotions qui surgissent. Puissais-je être heureux? Maintenant, élargissons cela à quelqu'un d'autre. Pensez à quelqu'un que vous appréciez et que vous respectez. Il peut s'agir d'un ami, d'un mentor ou d'un proche. Imaginez cette personne clairement en répétant les expressions dans votre tête. Puisses-tu avoir une belle vie emplie de bonheur? Puisses-tu te défaire de l'envie et du ressentiment? Puisses-tu trouver de la joie et l'apprécier à sa juste valeur?
Pour les derniers instants, laissez votre esprit aller et posez-vous avec une conscience claire des émotions. Comment vous sentez-vous après la séance d'aujourd'hui? Peut-être remarquez-vous un plus grand sentiment d'optimisme et de positivité qui, avec un peu de chance, vous accompagnera pour le reste de la journée. Incorporer la bienveillance dans votre pratique habituelle peut vous amener à un mode de vie plus heureux, plus tolérant et plus paisible. À la prochaine fois!